Ofutani mwana ngai. Nikumba na ngai yango ndeme maine kusu Yesu. Na monini na nikakatano na ngai. Tuka suka tongo na nkembo eko bimakata. Ate, na kubungi segiti ate. Ofutani yongo na ngai. Osili saba pasi na ngai. Tina nini na nyo kwa ma. Otio nyo kwa ma po na ngai. Komina suka makasi yesi ningai pesanga loboko na yo salela ngai ngolu na yo ngono yo nde batelanga ngai makiana yo nde sipaka ngai loboko na yo nde tulemisaka ngai papa sumbanga Eli, Eli, lama sabakani, otika ngaite, mosiko lina ngai, lisungi nangai koutana yo. Nana ekulutu yeswe, nyose kokipo nangai, nasa elonga. Que tu viens utiliser. Mais Seigneur, notre Dieu, que toi-même tu viens enseigner ton peuple. Dispose le cœur de chacun de nous. Seigneur, en vertu de l'autorité que tu nous as conférée, Père, j'anéantis tout ce qui est voyage de pensée. Ce qui est vacation de l'Esprit, c'est notre Dieu. J'anéantis, c'est notre Dieu, notre Père, tout ce qui est. Barrière et résistance, c'est notre Dieu. Lourdeur, le nom puissant de Jésus. Que c'est notre Dieu, nous dominions, que toi tu crois sans scellier. Que ton seul nom, c'est notre Dieu. Le nom que tu as réussi, qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, que ce nom soit élevé cet après-midi.
Que la chair disparaisse, c'est notre Père. Je te bénis pour la présence de mes bien-aimés, pour les centres, pour le protocole, pour tous les départements, c'est notre Dieu. Malgré qu'il y a des absences, c'est notre Dieu. Mais je sais que toi, tu es avec nous. Seigneur, merci. Voilà pourquoi moi et mes frères et sœurs, nous saluons ta présence par des acclamations. Parce que tu nous dis avec des cris de joie, parce que tu es là. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas des orphelins. Acclamons les bien-aimés, poussons vers lui des cris de joie. Car il est notre Dieu. Merci Seigneur, notre Dieu, parce que tu nous as envoyé cette parole. Et nous croyons à cette parole. Et cette parole va délivrer certaines personnes. Cette parole, c'est notre Dieu. Oh, merci Jésus. Je sais que tu as envoyé une bonne parole cet après-midi pour ton peuple. Pour les échoués d'hier. Seigneur, je sais, comme la Bible déclare, qu'il est entré dans les temples. Il a pris les rouleaux. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu vas rendre libre ton peuple. Les échoués d'hier, Seigneur notre Dieu, sortiront d'ici la tête haute. Parce que tu as envoyé une parole de puissance. Seigneur, je crois cette parole. Et par ces moments, je change l'atmosphère de la salle, Père de gloire. Tout ce qui est, c'est notre Dieu. Résistance, elle soit anéantie au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que ton esprit est là. Parce que ton esprit contrôle toutes choses. Seigneur, merci parce que tu as entendu la prière de tes serviteurs. Parce que tu as entendu la prière de tes servantes. Tu as entendu la prière de mes soeurs, de mes frères. Seigneur, merci. Lumière, Seigneur, entre l'atmosphère des royaumes dans la salle. Parce que tu es Dieu. Oui, Seigneur, merci. Ton esprit est là. Ton esprit est là. L'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit, qui crie « Abba Père ». Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour cet esprit. Dans la confiance que nous t'appartenons, Seigneur. Oui, merci Jésus, que tu libères les esprits, que tu libères les âmes, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Non, tu disais « Entre et ne peut subsister ». Une maison divisée entre elles ne peut résister. Alléluia. Dans l'église, là où il y a la vision, il doit avoir l'unité de l'esprit. Amen. Amen. Mais j'aimerais qu'au moment où je vais prêcher de la part de Dieu, le pasteur Alain, le frère Boissa, le frère Agogo, ainsi que le pasteur Elie, de me soutenir vraiment dans la prière. Que vous intercédez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soutenez-moi dans la prière. Je sais pourquoi je l'ai dit. Amen. Amen. Et la sœur Ghislaine. Et l'évangéliste Wando aussi. Mon frère, t'as ton micro. On y va. Alors, sans plus tarder, la grande question que je vais vous poser cet après-midi, c'est quelle est votre finalité dans la course chrétienne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien que Oyamba Yesu. C'est vrai que tu as accepté Jésus. C'est vrai aux autres temps, on a Yesu, aux autres génies, aux autres prières. C'est vrai que tu marches avec Jésus. C'est vrai aux autres ça va dire ma offrande. Il est vrai que tu donnes tes dîmes, des offrandes. Mais la grande question, quelle sera votre finalité dans la course chrétienne? Au cause de la perdition, toi, au cause de la mort, au Nzambe, à vous repêcher. Tu seras dans la perdition, tu seras l'homme que Dieu va repêcher. Alléluia. Amen. Et la deuxième grande question, c'est quelle sera la fin de votre séjour en Europe? Alléluia. Je vous attends pas, j'ai dit bien Alléluia. Amen. Oui, soutenez-moi, vous tous. Vous savez, j'ai jeté un coup d'œil. Dans la Rousse, j'ai vu ce qu'on appelle la colonie. Amen. Amen. C'est l'ensemble de personnes, je crois, un groupe de personnes qui sont décidées d'aller vivre dans un autre pays. Qui ont quitté leur pays, mais sont allées vivre dans un autre pays. Dites Amen. Mais je me souviens bien, dans l'histoire, on a pris une chose, la colonie de peuplement. C'est le fait de s'installer quelque part sans espoir de retour. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu es ici en Europe.
Tu es né en France, je ne sais pas. Tu as quitté le pays depuis le bas âge, peut-être 8 ans, 5 ans. Tu te retrouves ici en France. Mais soukane bozala, ça sera quoi ta fin? Bébé, aussi longtemps aux ananou, on s'est fixé objectif pour voter la vie. Aussi longtemps tu t'es pas fixé un objectif dans ta vie. Peu importe ta position. Français, française. Tu peux avoir la nationalité française. Pourquoi la nationalité belge ou canadienne? Belge ou canadien. Mais ce qui on s'est fixé comme objectif dans la vision de l'Ivosonayo. Si tu n'as pas de vision. Là, tu tournes en rond, tu ne pourras pas avancer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, on comprend une chose. J'aimerais que tu comprennes une chose, bien aimé. Dans ce temps, il y a un bon de la bonne message. J'ai pris le temps de prier pour les messages. Avant ça, parce que qu'il y a des échoués d'hier. Dieu me montre qu'il y a des échoués. Oh, il a passé 25 ans plus dans Katia France. Les gens qui ont passé plus de 25 ans. Mais aujourd'hui, dans Mazali Bosso, miroir. Mais aujourd'hui, quand il se regarde devant la glace. Parce qu'il s'attend qu'on se pose ma grande question, mais Nakosukawa. Il se pose d'énormes questions. Où je vais arriver? Où? Malgré Tanyon sur la légitime en Europe, mais l'opposition à mes amis. Où ça va mener? Malgré tout le temps passé en Europe, quelle est ma position aujourd'hui? Alors Dieu t'a envoyé une parole. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bienvenue, bon Kobima. Le peuple a accepté de sortir. Vous savez, Nzambe, avant ça, les gars, va bien nous préparer comme. Dieu, avant d'appeler un homme, il prépare la personne. Dieu dira donc à Abraham, tant que vous l'alliance. Quand il faisait alliance. Puisque sache que tes descendants. Ils iront en captivité dans un pays qui sera pas le leur. 15 et 13. Mais moi-même, l'Éternel, n'a pas ça la grâce par mon mambo quand on a beaucoup pas m'a dit. Je vais faire, je vais leur faire grâce. Ils vont sortir de ces pays par main vide. Alléluia. Moi-même, je vais juger ces pays. Ils sortiront de ces pays par main vide. Ce qui veut dire, je vais bénir ces peuples. Aujourd'hui, c'est ta position. Alors, nous sommes dans le livre de Jérémie. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Chapitre 29, verset 4. Le pasteur lui bénit au nom de Jésus. Jérémie 29, verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez les maisons et habitez-les, plantez les jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles, mariez vos fils et donnez vos filles en mariage. Afin que les enfants des fils et des filles multipliez là où vous êtes et diminuez et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Yoka Oezali, premier aspect. Écoutez les premiers aspects. D'abord, développez que deux aspects. Je ne vais développer que deux aspects. Et après, donc, bon, après nous allons prier. Alors, premier aspect, la mission de Jérémie. Vous allez ainsi dit l'Éternel. Ça, c'est un ainsi dit l'Éternel. Message est Yakiboy. Le message est arrivé comme ça. Écris lettre à tous les bien-aimés qui sont en captivité. Dans le pays de Babylone. Tu l'air. Tel que vous êtes là-bas, vous restez dans l'exil. Où vous vous trouvez en exil. Construisez des maisons. Alléluia. Et habitez dans ces maisons-là. Faites des enfants. Mariez-vous. Faites même marier vos enfants. Il dit remplissez-vous. Diminuez pas, mais augmentez un nombre. Diminuez pas, mais vous multipliez. Augmentez pas, mais que vous multipliez un nombre. Alors, il dit, devenez influent. Il dit, devenez influent. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la on va très bien. Je vois que tu me suis bien, bien aimé. Et ça va me dévoiler ma réalité. Beaucoup dans la salle. Il y a des gens qui peuvent comprendre la réalité ici dans cette salle. Football. Les gens qui aiment le foot. Alléluia. Bien lorsque le staff technique d'une équipe s'engage à acheter un joueur. Et surtout le numéro 9. Basala objectif mi balé. Objectif. 1.
pour à marquer la Bible. On l'achète pour qu'il marque de but. Il faut ça à s'imposer. Allez, pour qu'il s'impose dans l'équipe. Il y a comment dire l'équipe nationale en France, c'est ça pour vraiment la couvrir la tête. Parce que je dis les bleus, ils sont pas vraiment. Assis. Parce que ça pour vraiment la moutoir s'imposer, t'es comme numéro 9. Parce qu'ils n'ont pas un 9, un attaquant des pointes qui s'impose. Parce qu'à l'époque, il y a pas qui va zara qui n'a joué au Moko. À l'époque, nous avons connu des joueurs. Attends, là, il y a mis que Platini. Même si tu dors, tu sais que Michel Platini. Avant la fin du match, il va marquer. Alléluia. Alors bien aimé, lorsque tu es un quand tu viens dans un pays, tu viens dans le malade, Satan qui est ma chrétien. Elle nous parle de ton chrétien. Alors plutôt s'imposer. Elle nous demande de nous imposer. Alors plutôt comment influent. De devenir influent. Alors bien aimé, diminuer. Que nous diminuons pas. Mais nous bâtissons. Que nous augmentons en nombre. Mais sans que l'union comprenne. Si tu veux comprendre, bien aimé. Ils vont dans Israël. Le peuple d'Israël. Dieu leur a fait grâce. Dieu leur a dit. Puisqu'ils ont vendu Joseph. Dieu a visité Joseph. Dieu a visité Joseph. Dans le pays étranger. Joseph a établi les comme gouverneur. Joseph a été établi gouverneur. Ce que tu as mis la jeunesse au commun avait dit qu'en réalité, le pharaon ne régnait mais ne gouvernait pas. Il faut les lire dans le livre de Genèse. Alléluia. Joseph. Alléluia. Il y a mon problème dans la société de Mobutu dans Tshisekedi. Je vais parler des problèmes de Mobutu et Tshisekedi. Le président règne mais ne gouverne pas. Mobutu a dit qu'il a voté. Et Mobutu, il n'a pas voulu ça. Bien aimé, ma lobby, la Bible, la Genèse, ma lobby, que Joseph, pardon, Pharaon a régné, mais a gouverné. La Bible dit dans le livre de Genèse que Pharaon régnait, mais il ne gouvernait donc, pas. Joseph n'a pas salué grâce à son gouverné. Dieu a fait grâce à Joseph, c'est lui qui dirigeait, qui gouvernait. Aben ici, il bote dans la Enios. Il a fait venir toute sa famille. Ils s'installaient dans la ville de Goshen. Ils se sont installés dans la ville de Goshen. Et quand ils étaient dans ces pays-là, tellement imposants. Ils sont tellement devenus imposants. Tellement influents. Tellement influents. Quelques temps après, Bible dit que le roi Pharaon à l'époque a tombé là qui Joseph. Il a dit que le roi Pharaon qui avait élevé Joseph était mort. Joseph fait quelques temps à Koufi. Joseph fait quelques temps après, il est mort. Les descendants s'arrivent à Koufi. Les descendants de Joseph aussi sont alors, morts. On dit que le pharaon a succédé à qui la royauté a reconnaître l'élévation là-bas. Maintenant, les nouveaux pharaons au pouvoir à l'époque, il n'a pas voulu reconnaître l'élévation. Allez, Exode chapitre 1er. Exode 1. Bible et l'Obibou. La Bible dit ceci. Ceux qui t'ont dit, ils vont à Israël. Si nous regardons bien, ils ont formé un peuple fort, un peuple inu. Ils forment un peuple fort et inu. Alors, ton coco, cabamote un jour. Nous ne pourrons pas les vaincre un jour. Si nos ennemis se lient avec eux, nous serons perdants. Là, les Égyptiens disent il faut les empêcher qu'ils croient, qu'ils grandissent pas, qu'ils ne passent pas. Diviser pour mieux régner. C'est pour ça que j'ai dit souvent, on dit, comme on dit, diviser pour mieux régner. Alléluia. Bien aimé, Israël est bavandi dans mon papa. Israël est habité dans un pays étranger. Mais quand on m'a dit que la Sangani va commis un peuple fort. Mais quand les étrangers ont vu qu'ils étaient devenus forts, ils étaient unis et forts. Alors on m'a dit qu'on l'a par tous les moyens, on l'a pas dispersé. Ils ont commencé à chercher des voies et moyens pour les disperser. Et aussi longtemps qu'ils ont dit qu'ils ont dit on va laisser ces peuples d'Israël. Un jour ils vont se laisser. Ils ont dit qu'ils ont il nous faut trouver un moyen. Pour qu'elles ne soient plus fortes. Mais la multiplication est un symbole de puissance. La multiplication, c'est un symbole de puissance. Multiplication, c'est un symbole d'influence et d'imposition. C'est un symbole d'influence et d'imposition. Mais ceux qui ont aligné un peuple congolais, comme si, on dit Zaïwa. Si tu vois bien un peuple congolais. N'a été pour la jeter le gars à fleurs parce qu'ils appellent à ma position sous Yama. Ben, tu es pas Yama Congolais. Je ne vais pas te jeter des fleurs parce qu'il y a des positions néfastes chez les Congolais. Mais partout où moi je suis passé, n'a dit que Zaïwa, ce gars, les gars, à ma trace. Mais partout où je suis passé, c'est que quand un Congolais ou un Zaïwa passe, il laisse des traces. Alléluia. Bibliquement, ma 5 émissions, tous à la piscine, tous à l'équipe, tous à la force, tous à la influence. Bibliquement, la Bible nous demande partout où nous passons, il faut que nous soyons influents et forts. Père spirituel, même si on a un accès à la maison, ceux qui ont été tracés aux années. Notre pasteur, Père spirituel au pays, il nous a dit si tu ne laisses pas des traces où tu passes, tu es nul. Trace quand tu as un nul, mais dans le bon sens. Trace, c'est pas dans un mauvais sens, les amis. Alléluia. Dans le bon sens. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien, mais dans ou pas, tu vas s'en. Quand les gens s'ensemblent, parce qu'on combat tellement ma casse. Et qu'ils deviennent forts. Alors Pharaon, le mythotique, il ne faut pas se multiplier. Pharaon, il ne faut pas les laisser se multiplier. Aïe, mais c'est pas mon bandale.
Il a dit à partir d'aujourd'hui. Il a dit aux sages femmes. Vous qui faisiez accoucher les Israélites. Très bien. Écoutez-moi bien. Lorsque vous vendez la siège, la minute hôpital, vous montrez que moi ça se bouge dans ma contraction. Quand vous serez peut-être que vous voyez, vous verrez des femmes venir et qui ils auront la cause. Dans vos yeux, la douleur d'enfantement. Ils auront la douleur d'enfantement. Sauf qui vous montrez mal vous balie. Si c'est un garçon, il faut les tuer. Si c'est une fille, pouvait garder l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut tuer tous les bébés garçons et laisser les bébés filles. Mais Pharaon était un garçon. Mais pourquoi il est énorme? Mais pourquoi il a voulu qu'on tue tous les bébés garçons? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Moi, c'est à la manière porteuse il y a sémence. La femme n'est qu'une porteuse de la sémence. Mais c'est l'homme qui porte la sémence. Alléluia. Oui. Quand l'homme vient s'ensembler avec la femme, ou connaître la femme, c'est alors. Mais ben qu'on a mal bien multiplication pour qui ça manque. C'est alors qu'il accomplit cette loi ou cette commandement de la multiplication. Alors il y a l'homme qui est sous qui a ça mon bali mon bomaï. Pharaon il dit si c'est un homme, un garçon il faut le tuer. Il ne faut garder que les filles. Ou les bébés filles. C'est les bébés filles vous gardez en vie et les garçons vous tuez. C'était un moyen pour détruire les peuples d'Israël. Vous voulez détruire la puissance du peuple d'Israël. Parce aussi longtemps passé à Israël. Il savait aussi longtemps qu'il n'y aura pas beaucoup d'hommes en Israël. Il y a Israël, mais ça les sous-souter. Et aussi longtemps qu'il n'y aura plus des hommes, il n'y aura plus d'hommes en Israël. Mais Ayemi qui passe au Matikali, il y a les Israélites. Il sait que les femmes maintenant d'Israël qui vont rester. Aussi longtemps qu'ils vont se mélanger, aller faire des enfants avec des Égyptiens. À Kobota moi. Ils vont faire des enfants. Mais moi, non, les autres, mais dans un mélange 50-50. Cet enfant sera un métis 50-50. Alléluia. Quelques temps après, descendants sont là-dedans où on va reprendre la ressource Nabana et Égypte. Quand cette descendance-là va encore rencontrer les enfants d'Égypte, ils vont connaître l'Égyptien, ils vont faire encore l'Égyptien et la race d'Égyptien va se multiplier. Alors que la race d'Israël allait se diminuer. Mais la comprendre tout moins d'abord. Je ne comprends pas quand un homme de race noire fait un enfant avec un homme de race blanche. Souvent, c'est toujours l'enfant éclair souvent. Alors, ce qui est sali, qui va te descendre, c'est comme un petit à petit. Et si tu ne fais pas attention, ta descendance va se disparaître. Parce que petit, on s'en fout d'un dégoulin, vous vous mounez, vous avez un frère mounez. Parce que ce métier-là, s'il va connaître un plan, ils vont faire encore un plan. Alléluia. Alors, Pharaon, c'est là qu'il sache. Pharaon était sage. Alignité Israël, Baton. Pharaon était rusé, il ne voulait pas que Israël se rapproche. Il a dit il faut tout faire pour qu'il diminue. Aujourd'hui, je vois les gens faire des statistiques en Allemagne, en Hollande. Ils donnent même des papiers en vrac. Ils donnent des papiers à tout le monde maintenant. Ça fait 5 ans qu'on a des documentaires, on a peut-être en Afrique. Ça fait 5 ans que je suis là, j'étais peut-être en Afrique. On voyait les avantages de la France d'aujourd'hui. Parce que ils sont tous de terre d'asile, mais la France a accepté les gens. Ils ont créé une force à la France. Alléluia. Mais tandis qu'il y a l'Allemagne. Mais d'autres pays te disent l'Allemagne. C'est difficilement dans l'équipe nationale, la peau noire. L'Allemagne, la Pologne, c'était difficile de voir un joueur de football à l'équipe nationale noire. Ça existe. Alors, tant que France a sa télé, mais a commis ma case. Quand ils ont vu que la France a mis des piliers qui étaient des plus forts. Alors, qui va analyser, va comprendre pourquoi le peuple français va commis ma case. Ils ont essayé de comprendre pourquoi le peuple français devenait fort. L'économie, mon coin, ma case. Une économie efficace et puissante. Ils sont mélangés, bah, ils ont bossé durement. C'est parce que les étrangers sont arrivés, ils travaillaient nuit et jour. Ils peut-être un peu dans les noirs. Même dans les noirs, ils prennent même pas des vacances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, les Allemands, les Hollandais commencent à penser aussi à cela. Et aussi, ils commencent à donner des papiers aux gens. Parce qu'ils ont, ils se sont dit, mais les générations à venir. Ils ont un décalage entre Ils ont vu un décalage entre leurs enfants et leurs papas. Et les parents. La génération, c'est donc.
jeunesse na bango est vraiment bafouée. Ils ont vu que la génération future, leur jeunesse sera bafouée. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils vont se rendre compte qu'ils auront que des vieux et des petits enfants. Les gens qui iront travailler des bosseurs, il y en a pas. Parce que compromis que notre compte s'est étranger, ma bonne s'appelle. Ils ont dit qu'il faut laisser ouvrir les frontières que les gens entrent pour qu'ils fassent des enfants avec nos enfants. Dites amen. Alléluia. Amen, amen. Dès que tu as les différences, il y a beaucoup quand la France et ça bon. Si tu vois bien la différence de ces pays, entre ces pays-là et la France, c'est là. Ça, ça le monde est comme en Australie. À qui tu as les viens, mesdames et messieurs, de l'Australie. Dans le monde, il va bien aller à Kinango. Il n'a fait que 4 ans en Australie, il est rentré au pays avec tout le monde revient de l'Europe. Tu vas dire que tu es dans ma solo, Baba Alaï, les amis, frère. On était assis, on parlait, et les frères étaient au top, on parlait qu'est de lui. Alors, tu es dans ma solo, Baba Alaï, les amis, frère. Australie. On se disait, non, mais il faut aller en Australie, Sydney. Ah, moi, je vais faire Autriche, je vais aller. Mais la coutade, elle va vous pariser, elle va décrocher, elle va vous faire un faux poteau. Et j'ai raconté les présidents, elle dit, c'est même pas l'Europe là-bas. Alors, c'est le mec, comment il a dit tellement avancé dans ma recherche. Maintenant, il y a bien aimé, il était tellement avancé dans des recherches. Tellement de la guerre soit fait, la potom, je suis avec Nata Tirki, n'a aucun dé. Il y en a un qui me disait, même la Turquie, même la Chine, je vais y aller. Il y a des gens qui ont été malades, ils ont été malades, ils ont été malades. Et moi, j'ai dit, il ne faut pas y aller, il ne faut pas aller là-bas, moi, je suis là. Alors, parce que c'est ce qu'il y a en Australie. Après, c'est en Australie, c'est ce qu'il y. Quand tu entres en Australie, tu travailles vraiment bien. Tu peux bien travailler. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Parce que l'étranger va s'améliorer. Parce qu'il n'y a pas assez d'étrangers là-bas. Alléluia. Amen. Mais ça n'a pas moyen pour empêcher que tu vas compter à Camille. Ils ont créé un moyen pour empêcher les gens de venir en masse. Parce là-bas. Que le fait que tu comptes à Camille, un jour, tu vas compter à Camille. Les gens qui viennent en masse ici, un jour, ils vont se multiplier. Ils vont devenir un peuple uni. Parce qu'il y a un peuple fort. Ils seront un peuple fort. Alléluia. Pharaon a veillé nuit et jour. Pharaon veillait nuit et jour. Les bateaux vont se multiplier. Que ces Israélites-là ne se multiplient plus. Mais ils m'ont mis par mot dans l'esclavagisme. Ils les ont conduits en esclavagisme. Mais Bible dit que aussi longtemps on est accablé par mot qu'on y a qu'on a barré. Il a dit aussi longtemps il est accablé. Mais il a fait un souffrir qui n'a pas. Dieu était avec eux. Mais parce qu'on a un peuple fort. Il devenait toujours un peuple fort. Un peuple puissant, uni. Un peuple puissant, uni. Malgré la souffrance qu'ils vivaient. Parce que Nzambe Zarakina. Parce que Dieu était avec eux. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont souffert. Ils ont tellement. Ils ont tellement souffert. Dans leur servitude de Nabango. Dans leur servitude. Dieu ne les a pas abandonnés. Au milieu de nous avons la confusion parce qu'on parlait sur la servitude. Aujourd'hui, je vois des confusions. Les gens parlent de la servitude. Par exemple, peut-être qu'on emploie un terme, mais on a un sens dans pas vraiment. Les gens, ils emploient les mots servitude, mais ils savent, mais ils connaissent pas le sens de ces mots. Alléluia. Amen. Israël, Bagnokwami. Israël a souffert. Ils ont habité dans ces pays-là. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Puisqu'ils avaient une promesse. Parce que tout le monde est le nom de prophétiser le corps d'un prophète. Parce que tel que vous êtes à tous, il faut que je commence à prophétiser comme un prophète. Vous allez attendre que je parle du bien en vous. Si je commence à parler du mal qui vous méditez dans vos cœurs ou le mal qui vous arrive, vous allez dire, mais lui, il commence à condamner les gens. Dieu dit à Abraham, ta famille, tes descendants iront pendant 400 ans dans un pays étranger. Ils vont souffrir là-bas. Mais moi, Dieu, je leur ferai grâce. Alléluia. Aujourd'hui, si on te parle de ça, tes descendants, tu vas trembler. Faut t'accrocher. Alléluia. Bosso qui a l'obilicam. C'est quand il dit une parole. Il a lui-même la vision. Il est pour préparer le chemin. Il sait comment il va préparer le chemin. Les restaurateurs. Il appelle les restaurateurs. Alléluia. Il est frais le chemin. Où les hommes ne peuvent y passer, mais Dieu peut faire que les hommes passent par là. Où les gens échouent, ils ont dit que ce pays-là, ça ne marche pas. Mais toi, tu passes à la marche. Celui qui n'a pas de vision, on peut lui décourager. Il dort, il se lève le matin, il n'a pas de vision. C'est pour ça, aujourd'hui, les peuples français, l'État français, sans vision. L'État français ne considère pas les immigrés parce que les immigrés n'ont pas de vision. Nous couchons la nuit, nous levons le matin. Même rythme, on attend la nuit, on va travailler, on revient, travaille, revient, travaille, travaille, travaille. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Mais vous savez,
Bien-aimé, je suis étonné. Quand j'étais païen, j'aimais beaucoup ces bien-aimés. Aujourd'hui aussi, je suis un homme de Dieu, mais j'ai attendu une chose qu'il a dit et ça m'a fait plaisir. Saint-Michel s'appelle Abeba. Alobi, alors ça a un nouvel album. Il dit qu'il fait un nouvel album. On lui a demandé c'est quoi cet album, il dit c'est l'enfer de l'Europe. Maintenant moi j'ai regardé un théâtre et je vis, ils ont mis un flash. Maintenant il était en train d'expliquer, il dit mais pourquoi c'est l'enfer des blancs, ça veut dire quoi? Tout homme que Dieu a créé doit avoir cette vision là. Sinon tu vas souffrir. Ce n'est pas seulement dans ce sens-là, tu vas souffrir dans beaucoup de choses. Amen. Comme on a parlé avec l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, il y a des gens, tu iras dans des coins, ils vont tout faire pour te faire du mal. Parce qu'ils savent que tu es célibataire, par exemple. Il faut avoir une vision. Il faut te marier. Tu vas te limiter où je suis. Le corps est tellement faible. Allez, faites attention. Il faut avoir une vision. Il faut avoir une grande vision. Aussi longtemps Abraham était là, il était focalisé à ne voir que sa tente. Quand il était assis, sa vision était limitée. Dieu voulait aider Abraham. Sors. Projette loin ton regard. Vous projetez regard de loin. Projette ton regard loin. C'est ce qu'on appelle la vision. Tu penses que les miettes que tu as aujourd'hui, ça te suffit? Non. Alors, frère, le Bible. Le frère dit ceci. Pourquoi l'enfer de blanc? Tout le monde en Afrique, en Europe, a des conviés Europe, où il y a des paradis. En Afrique, on envie tous l'Europe. Non, c'est un paradis. Mais arrivant ici, tout le monde a des actes vraiment. Arrivé ici, nous nous sommes rendus compte que c'est l'enfer. Et ça, paradis, mais ça, on a ce n'est pas le paradis comme on croyait, mais c'est l'enfer masqué. Quand la Bible nous dit que la nature nous enseigne, même les païens nous enseignent, nous prêchent plutôt. Analyse avant d'attendre que le solo poteau. Ils ont vraiment dit fait. Ce que le bien-aimé dit, il l'a fait, il a eu le temps d'analyser, il a vu que l'Europe c'est vraiment l'enfer. Tout le monde peut-être peut voir dans ma vision, dans ma projet. Vous savez, tout le monde peut être venu ici avec une vision et un projet. Peu importe ma projet, dans ma vision, ça n'a pas eu l'occasion de bosser au télévision. Moukana. Malgré les visions avec lesquelles que tu es, tes visions que tu as ramenées ici, dès que tu arrives ici, la première chose qui va t'empêcher à continuer. C'est les papiers. Tu viens avec tes projets, non, je vais chercher man ici là où quand je ramène au pays, les papiers te disent, monsieur, calme-toi. Si tu te lèves, tu sors, tu auras la barrière, tu pourras pire. Mais c'est vrai pour toi, ça pénalise. C'est vrai, l'Europe, c'est l'enfer. Alors, les chrétiens, c'est quelque chose à la vision, mon quoi, large. Les chrétiens devaient avoir une large vision. Parce que ceux qui vont se contacter dans le système, ils ont la porte à l'État, vraiment bolo. Si nous contentons du système de l'Europe, c'est vraiment une prison. Tu vas aller à la base, là, mon camico, les autres qui ont des âges. Les gens se lèvent le matin, ils dorment, ils se couchent le soir, ils se lèvent le matin. Alors, l'âge avance aussi. Sans projet. Et les gens, ils sont sans projet. Et l'âge avance. Tu le vois dans des restaurants. Là, il va là-bas, il achète des vestes, des costumes. Moi, à l'Europe, quand nous on était là, moi, les amis, moi, je connais les maisons. Tu l'as si gros, ça déjà fait 25 ans, 30 ans. Papa, maintenant, 30 ans, faut mon poudre. Qu'est-ce que tu as fait? Il va te dire, ah, tu peux, mais c'est comme ça, la vie. Il a dit petit, il faut quand vous êtes arrivé là, mais quand l'Europe c'était bien, t'as fait quoi? On prenait, on touchait 5 à Cédic. Qu'est-ce que tu as fait avec tes 5 à Cédic? C'est ça la grande question.
Tiens, cinq enfants, les allocations tombent. Parce que tous les héros, même dans la Yébi, c'est héros. Dans l'Afrique, on va parler d'abord un peuple congolais. Même moi, je le sais, les Congolais, les Africains, surtout précisément les Congolais, y compris, ça, les, y compris les hommes de Dieu, sans vision, ils n'ont pas de vision. Ils savent déjà que les deux l'argent va passer sans calculer. Il prend, il tire l'argent, il envoie au western. Il fait. J'ai vu ça, que 200 euros. Eh mon Dieu, c'est parti où? Là, mes poches sont trouées. On est parti dans une maison d'une maman, on a prié pour, on a demandé de prier pour la, les finances de ses mamans. Je dis non, on prie pas. Quand tu prends ton salaire, parce que les Africains, les Zaïrois, ils n'ont pas de budget. Dès qu'il a 1000 euros qui passent, il va des codes fumés, il va acheter un budget. Et c'était même pas dans les projets. Maintenant, les plans, on est arrivé à la course, la leader price. Il va à leader price. Il reçoit le signe à et il prend les, la facture, le reçu, il garde. Et il prend même des produits réparés. Il prend, il met à côté. Parce que d'abord, quand il va rentrer à la maison, il va calculer. Jésus dit, c'est qui va bâtir, construire une maison sans calculer d'avance les dépenses. Les bien-aimés sont rentrés de Lunda de l'Angola. Il a ramené 25 000 dollars. Il achète directement un terrain. Il achète une voiture et il meuble la maison. Alléluia. Amen. Amen. Très bien. Il a mis des meubles à la maison. Avant construction. Il commence à construire la maison. Mais malheureusement. Après 3 mois, tu verras la maison ne va pas arriver au bout. Inachevé. Inachevé. Même les femmes, les filles commencent à avoir des grossesses là-bas dans cette maison-là. Alléluia. Parce que mon doigt calculé n'a été dans un à combien? Parce qu'il n'a pas fait des calculs, j'ai combien? Mais avant de dépenser bêtement. Mais il commence à dépenser sans calculer. Alléluia. Amen. Mais c'est que sa vision. Il faudrait que Dieu te donne la vision. Que Dieu m'aide, qu'il t'aide aussi. Que nous quittons ces choses-là. Sans vision, ça m'a monté. Vivre sans vision, ce n'est pas bien. Vision. Les mamans, vous êtes là, vous avez des enfants à la maison, il faut avoir une vision. Quelle sera votre finalité dans votre course chrétienne? C'est pour ça que je vous ai demandé. N'importe quoi, dit, je fais attention, je ne cours pas avant. Et que je ne cours pas n'importe comment. Pour la fin d'une chose qui est son commencement. Amen. Au bandal, on a la spiritualité, gloire à Dieu. Tu as commencé la spiritualité, gloire à Dieu. Mais tu as fini dans la chair. Qui m'a tiré bien. Tu courais bien. Mais qui vous a arrêté? Alléluia. Mais attention quand tu es un enfant de Dieu. Ne va pas seulement dans une réunion comme ça ou dans une ensemble ou dans un bar ou dans un coin. Tu vas comme ça. Et tu ne sais même pas ta raison pourquoi tu es dans ce pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aspect à les premiers aspects de je te parle. Bible nous encourage. La Bible nous encourage. Dans les pays où nous sommes, il faut faire des enfants. Mais pourquoi ici sur ton bout dans mon coin? Eh bien, c'est pourquoi ils nous disent de faire des enfants ici. Donc, dis ça bas dans mon coin. Fais des enfants dans ces pays. Qui a voulu les tasser à 3 des ceux qui ont gagné 5, 6, 0. Ne fais pas comme les blancs. Si tu vas aller jusqu'à 20, va jusqu'à 20. Maman Brigitte. Si papa il veut encore un quatrième, tu veux encore un petit ici encore. Nous sommes en Europe, il ne faut pas tout copier chez les blancs. Alléluia. J'aimerais que tu aies une vision. Nous nous dit de remplir ces pays. N'aide pas ces pays. Parce qu'il y en a qui se disent, mais la France, moi, je suis là qui est pour rester. Je n'ai même pas envie de rester ici. Intercéder à faveur, il y a beaucoup de France. On me demande de prier, d'intercéder à faveur de ces pays. Et le deuxième pays, on en va faire ici. C'est ton deuxième pays que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Amen. En dehors du pays d'origine, la France est un bon canon. En dehors de ton pays d'origine, la France est ton deuxième pays. Et c'est le monde de la Capone en bon canon. Il faut que tu pries aussi pour la France. Alléluia. Balobina yo, donne-lui ça en bon canon. Je te dis, remplis ces pays. Donc,
construis des maisons. Bala, bali sabana, bala no baba. Marie, toi, faites marier vos enfants, faites marier vos petits-enfants. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Mais malheureusement, pas de qu'il y ait un sens aussi. Malheureusement, les gens, ils prennent un autre sens. Aspect, il faut se bien aimer, c'est qui autonome sans mot. Le premier aspect, il faut remplir. Alors, deuxième aspect, Zani. C'est quoi le deuxième aspect? Histoire, il y a Némi. L'histoire de Némi. Malgré qu'il a dit un mot comme sous. Malgré qu'il habite dans un pays étranger. À chaque fois, Abanda qui koyoka samambokane. À chaque fois qu'il a, il avait des nouvelles de son pays. Abanda qui kolela. Il pleurait. Ensuite, il a jeûné. Il avait pris le temps de jeûner. Ensuite, il a prié. Il a pris le temps de prier. Pour la situation mbokane. Pour la situation de son pays. Mais qu'est-ce qui se passe ici chez nous? Il y a un bien-aimé qui disait, moi, mon pays en Afrique, là, je ne m'en soucie même pas. Ils ont qu'à prendre ça et d'ici, chacun dit. Vous ignorez l'histoire. Vous ignorez l'histoire. Tu crois que le fait d'être en France, c'est un coup de hasard. Tu es Camerounais, tu es Angolais. Mais à moins que tu n'as pas de famille en Afrique, que tu sois Camerounais, Angolais ou Congolais, tu as des descendants, tu as de la famille. Tu as des frères, des sœurs, il faut prier pour que tu ne prends même pas le temps de penser à ce pays. Peut-être tes parents vivent encore là-bas. Ils sont encore en vie, mais toi, quand tu es là, moi, vraiment, en Europe, je pense encore à Congo. Alléluia. Il faut que tu calcules. Il faudrait que tu intercèdes pour ces pays-là. Némi était dans un autre pays. Mais puis les pensées étaient tout le temps liées dans Mboka. Sa pensée était tout le temps liée comme ça. Joseph, quand il était en Égypte, où Dieu l'a élevé. Et l'autre, quand il s'abat. Ce qui a étonné les gens. Joseph, quand il s'abat, il s'abat. Je me suis dit, je suis en train de mourir. Mais là, il est le monde, ça va vous visiter. Si je m'avais mouru, mais je sais que c'est pas possible. Mais c'est lui, je vous demande une chose. Mais sauce. Il faut le garder. Mais là, pourquoi Mikoua? Je me demande pourquoi. Pourquoi pas c'est alors, Mikoua Nanga. Il dit, mais sauce. Vous les gardez. Vous les conservez. Ça va retourner dans mon pays. Alléluia. Parce qu'il soit un Mikoua Nanga. On a pris soin des saisons. Oh, bien, mais dans où tu comprends, il y a un homme. Nous avons compris la parole de Dieu. Je vais te l'histoire, mon col, sur mes cours. Nous avons trouvé une histoire sur les os. Il y avait plus de chair, les os. Aujourd'hui, tu vis ici en France. Tu regardes ton avenir. Et c'est sombre. Ton avenir est sombre. Tu ne vois que des miroirs. Tu ne vois pas clair. Tu ne vois pas ton avenir. Dieu m'a béni de vos sens. Ton avenir aura un sens. Alléluia. Amen. À cause de mon envie, si ma télé reçoit s'accrocher dans l'île de Banana. Si ça ne va pas, si tu accroches à Dieu, ça m'a éclairé visionnaire. Dieu va éclairer ta vision. Ok, plus loin. Tu iras plus loin. Les Osmans n'avaient pas de chair. Ils n'avaient pas de chair. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient plus d'espoir. Tout n'a pas de chair. Demande les gens qui sont passés par d'autres pays pour venir en Europe. Tout n'a pas de chair. Demandez-nous à nous. Et nous disait, tu sais, là, il n'y a plus de moyens pour sortir. Tout le monde est mouton. Celui que Dieu a choisi va sortir. Dieu, il va ouvrir, il va créer des chemins pour que toi tu sors. Ami, tu dis, est-ce qu'il y a Obala les sous? Il se demande, est-ce qu'il va encore se marier, lui? Est-ce que lui, il peut encore avoir des enfants? Moi, je te dis, avec Dieu, tu vas avoir des enfants. Alléluia!